Bonjour. Alors, est-ce qu'au niveau du son, on est OK? Bonjour Psycrane, bonjour Dorian. Petit live découverte de la Cosmic Wheel Sisterhood. Il y a une version en français. On peut voir qu'ils ont été plusieurs dessus d'ailleurs. Et donc ça, c'est très très cool, on va pouvoir... Oula. Oula, par contre, c'est pas du tout centre. Oula, 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 ok. C'est très fort. Ils disent très très fort. Non, je n'ai pas le même micro. C'est moi qu'elles sont très très fort ou... Je dois avoir le son mal réglé. Hein. Oui, je ne suis pas du tout avec le même micro. Même à 100%, j'ai du mal à t'entendre. Ah merde! Ah! Ah! D'accord. C'est parce que je suis pas du tout sur le même setup que d'habitude. Je vais appliquer comme ça. Non, bon. Ok. Donc oui, non, je suis pas du tout sur le même setup parce que je suis en télétravail, donc là j'ai pas le même. Je sais pas. Oh, longue histoire, mais en gros, je peux. Enfin, si je veux utiliser mon matériel habituel, je suis obligée de redémarrer avant le stream, après le stream et tout, donc c'est un peu chiant. Je suis en train de baisser quoi là? Hop! Mais est-ce qu'on entend surtout le son du jeu? Enfin, est-ce que vous entendez la musique du jeu? C'est ça que je voudrais savoir aussi. On va déjà tester. Tout n'est que destiné. D'accord. Ô vide éternel, entends la prière d'une prisonnière. Je t'en supplie, jette-moi une malédiction pour briser ce mortel isolement. Entends la psalmodie que jadis ma mentor m'a interdit de réciter. Étranger à mon âme, envahis mon corps. Étranger à mon âme, envahis mon esprit. Accorde-moi l'œil qui voit par-delà mes supplices. Prends mon orgueil, ma peine, mes chaînes. Transforme-les en puissance, sagesse, vengeance. Étranger à mon âme, envahis ma magie. C'est ce qu'on appelle le déconfinement. Dorian, c'est marqué dans l'énoncé. C'est juste, vous avez jusqu'à ce soir 20 h. Voilà. Étranger à mon âme, deviens ma foi. En voilà une belle chanson. Ça fait du bien d'être à nouveau réveillé. Qui es-tu? Ah oui. Mon nom est Fortuna, je suis une sorcière. Ouais, on commence direct avec ce qui, dans la plupart des jeux, serait un boss de fin. Écoute, ça va, un peu froid, un peu. On a une fuite à l'appart et tout en plus. Mais sinon, ça va, je suis en télétravail. On vient de lancer Cosmic Wheel Sisterhood. Voir un peu à quoi ça ressemble. Ça fait un moment que je voulais le tester. Et là, il était en solde, donc. Et toi, comment ça va? C'est Abramar, d'accord. Pourquoi m'as-tu invoqué? Parce que je préfère m'asseoir sur ma fierté que sur ma santé mentale. Ah, ça c'est une très jolie phrase d'ailleurs. Ça a l'air sympa, vas-y, raconte-moi.
J'ai été condamné à l'exil par la supérieure de ma loge. Aujourd'hui, cela fait très exactement 200 ans que je suis condamné. Oh non! Et je crois que j'en peux plus, en fait. J'ai besoin de ton aide. Comment mesures-tu le temps? Ah, j'utilise le berceau de l'humanité. Je compte en années terrestres. Oh, 200 années humaines, ça fait long. Je comprends. Moi, j'ai été emprisonné pendant 5 402 ans avant que tu m'invoques. Et la solitude, ça peut faire des dégâts. J'accepte de t'aider. Je vais devenir ton démon familier. Ah, merci, Abramar. Ouais, t'es un vrai frère. Bien, mets-toi à l'aise. On va sceller un pacte, toi et moi. Ouais, parce que sceller un pacte avec un démon dès le début, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Ah, vive la neige. Et coucou Faël, comment ça va? Avant toute chose, je tiens à t'exprimer ma gratitude. Je suis profondément reconnaissant de m'avoir libéré de ma prison cosmique. Ah, bah c'est cool, ouais, je t'en prie. Il y a un problème? Non, non, pas du tout, c'est juste que tout ce que j'ai lu sur les behemoths m'avait pas préparé à ce que tu sois si commun. Commun? Ça, c'est dur. En fait, je veux dire que, bien sûr que tu es intimidant, mais je m'étais toujours imaginé que tu parlerais en alexandrin ou un truc du genre. Tu me plais bien, toi. Tu me plais tellement que je vais te laisser choisir les termes de notre accord. Bien sûr, mes pouvoirs magiques sont loin d'être gratuits. Ça m'avait pas échappé. Je ne me défilerai pas. Parfait. Dans ce cas, ta formation va pouvoir commencer. La cérémonie dure 5 jours. Ah oui, quand même. Quand tu seras prête, fais-moi signe. Et pourquoi pas tout de suite? Le retour. Tu es déjà ma maîtresse préférée. Le premier jour, c'est le plus facile. Je te pose des questions pour faire connaissance. Un familier, c'est pas censé être plus petit. Bah, je sais pas, faut croire que lui, c'est un gros familier. Après, on est paumé dans l'espace au milieu de nulle part, donc il a la place en tant que familier pour s'épanouir, j'imagine. C'est tellement mimi chez elle. Petite maison trop mims. Oh non, le chat! Oh non, le chat est devant les textes. Attends, je vais le modifier, attends. Voilà. Normalement, là, ça devrait être mieux du coup. Alors, Fortuna, donc. Voilà, moi, je suis cartomancienne. Oh, cartomancienne, j'adore. T'accepterais de me tirer les cartes? Non, impossible. Allez, Dana a confisqué mon jeu de tarot. Ça fait partie de la sentence. Oui, allez, Dana, c'est la supérieure de ma loge. Eh bien, tu as dû faire quelque chose de très grave pour qu'on te bannisse et qu'on te prive de ta magie. J'ai prédit la chute de ma loge. Oh, dur, dur, mais pourquoi ce serait de ta faute? Tu ne choisis pas tes visions. Après ma prédiction, la loge a été en proie au désespoir. De nombreuses sorcières sont venues me trouver pour que je les prépare à la fin des temps. Ça n'a pas plu à Edana. C'est l'autorité suprême de notre loge, alors elle a décidé de me bannir sur cet astéroïde errant. Selon elle, même si toutes les loges doivent s'effondrer un jour ou l'autre, j'ai précipité la catastrophe parce que j'en ai parlé publiquement. Aedana a jugé que mon pouvoir mettait en péril la paix au sein de notre loge. Elle a conclu que je devais apprendre à raisonner au lieu de m'appuyer exclusivement sur mes dons de divination. Et c'est ainsi que j'ai été condamnée à méditer pour un millénaire et privée de mon tarot. Vu que je suis ici, j'en déduis que tu n'es pas d'accord avec la sentence. Elle redoutait mon influence. Mes sœurs avaient foi en mes conseils. Je suis sûre que cette vieille mégère a pensé que je voulais saper son autorité et elle a préféré me chasser. En même temps, tu parles d'elle comme d'étant une vieille mégère, donc visiblement tu l'aimes pas trop, donc oui, bon, bref. Voilà quoi. Tu as l'air aigri. Oui, un peu. Si l'occasion se présentait, voudrais-tu la tuer? Oui, non, bah non, on va pas non plus la tuer, quoi, bah non. Bah non.
Je vois. Malgré l'isolement, tu n'as pas oublié les vertus du pardon. Elle nous appelle. Enfin voilà. Ok, elle a l'air un peu hardcore, la meuf, mais bon. Elle a ses raisons aussi, tu vois. Vu que c'est la chef de la loge, elle voulait protéger la loge, blablabla. Bref. Très bien, je vais t'aider à retrouver tes pouvoirs. Et comment on l'a appelé d'ailleurs si notre pouvoir c'est les cartes et qu'on n'avait plus de cartes? Tu pourras me trouver un nouveau jeu de tarot? Un tarot? Non. Le tarot c'est bien gentil, mais c'est trop humano-centrique pour embrasser les vérités cachées du cosmos. Tu vas créer tes propres cartes. Mes propres cartes? Mais jamais je pourrais faire une chose pareille. Allons, du calme, je m'occupe du détail. Après tout, il faut bien les remplir, ces 5 jours de formation. Il est payé par Pôle emploi, lui, c'est pas possible. Et pour toi, Fortuna, c'est retour à l'école des sorcières. Ah bah tiens, ça vous rappelle quelque chose? Pour cette formation, nous allons passer en revue les 4 éléments de la magie. L'air, l'eau, la terre et le feu. Oh, misère. Arrête de râler, on va s'amuser. Et puis ce sera pour toi l'occasion de sceller un pacte avec moi pour chacune de ces énergies. Allez, tâche de te reposer. Demain, nous commencerons par une énergie invisible, l'air. Leçon 2. Contexte. Premier jour d'école, tu es nerveuse? Alors, pour tout te dire, je suis surtout contente d'entendre autre chose que ma propre voix. Ah, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous allons parler de l'air, pas le groupe de musique, hein. Je vais me concentrer sur ce qui nous sera utile pour créer notre propre jeu de cartes divinatoires. D'accord. L'air symbolise l'invisible, l'espace en creux qui imprègne toute chose. L'air est le subconscient collectif, c'est l'énergie au sein d'une communauté, son écosystème. L'air, c'est tout ce qui nous entoure. L'air, c'est le contexte. Oui, exactement. Si tu maîtrises l'air, alors tu atteindras un niveau de conscience exceptionnel. Comprendre pourquoi nous sommes là, c'est une force. Même quand tu es seul, tu ne fais qu'une avec le cosmos. Bien, pour une première partie de notre pacte, nous allons sceller nos 2 énergies de l'air. Ok, avec plaisir. Comme je te l'ai promis, je vais te laisser choisir la nature de chaque sceau. Tout ce que je te demanderai, c'est de répondre à une question. Mais attention, tes réponses auront des conséquences sur ton destin. Des conséquences radicales. Fais pas cette tête-là avec des dents sorties, mec, tu fais peur, là. Ok, je suis prête. Pour le sceau de l'air, comment souhaites-tu être vu? Je veux être crainte, je veux être adorée ou je veux être plainte? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui choisissent qui veulent être plaint? Qui dans la vie a envie de se dire, bon, en fait, moi, mon but dans la vie, c'est d'être plainte? En fait, c'est un peu. J'ai pas envie de cliquer sur ces trucs-là, mais bon. J'ai pas envie de me faire plaindre, j'ai pas envie de faire peur, j'ai pas envie d'être adoré, mais en même temps c'est le moins pire quoi. Vaut mieux être aimé que craint ou que. Enfin, je sais pas. Je préfère les conifères, les cornières. Et quoi? Ah non! Les cornières. Les cornières, d'accord. On va mettre ça du coup. Bah, on va dire qu'elle va être adorée, c'est mieux que être crainte ou plainte, non? Ça y est, tu es déjà narcissique? Ok, ça me va. Inspirer l'adoration te permettra d'obtenir le soutien des autres. Mais méfie-toi, ne te laisse pas gagner par l'idolâtrie. Oui, je comprends. Dans ce cas, permets que je scelle nos 2 énergies de l'air. Ah, ça fait mal. Oh, c'était bon ça! Tu sens tout ce pouvoir! Oui, je le sens, mais j'ai eu l'impression que mon être se déchirait. Que veux-tu, ma chère? Je suis un behemoth. Tu t'attendais à quoi? Bah, je sais bien, ça va. Bon, je peux encaisser. Tant mieux. À présent, concentre-toi sur cette énergie de l'air que nous avons libérée. Nous allons l'utiliser pour créer notre première carte.
J'ai vu que tu avais un tokonoma de cérémonie pour la sorcellerie au sous-sol. Va au sous-sol et je t'apprendrai à créer des cartes. Let's go. Ah, donc on peut se déplacer là? Si. Ah non, je peux juste cliquer. Créer une carte. Ceci est le grimoire des arcanes. On choisit une sphère, l'opéra. Un opéra enchanté qui exalte les émotions chantées en son sein. Ok. D'accord. Et si tu pourrais obtenir de nouvelles images magiques qui pourront te servir pour fabriquer tes cartes? Il y a trois catégories. Les sphères pour l'arrière-plan. Ok. Les arcanes pour le sujet principal de la carte. Et les symboles pour ajouter une petite touche de style à tes compositions. Tout ceci a un coût en énergie magique. Pour le moment, tu ne peux acquérir que des éléments de type air parce que seul le sceau de l'air a été libéré. Mais si le cœur t'en dit, tu peux feuilleter le grimoire pour avoir un aperçu de tes futures créations. Ok, là on a des prairies plaisantes. Temple de pierre de lune. Classe. Il y en a combien? Il y en a. Waouh. Ah, celui-là, il coûte plus cher. Il y en a. Ça va jusqu'à combien? Et ça, par exemple, je peux pas parce que c'est rouge. L'énergie de l'air, c'est donc du rose comme ça. Ok. L'opéra, on peut. Les prairies, on peut. Ça, je peux pas. Ouais. Caravane des nomades des cieux. Le fait que l'air soit couleur rose, ça me perturbe. Coucou la reine des fées. Comment tu vas, Letsby? Elle a sorti les emotes de Noël. Est-ce que t'es en repos ou t'es au boulot, toi, aujourd'hui? Moi, je suis en pause déj. Carrière des titans. Tu sors du taf? Ok. Ah, tu vas pouvoir te reposer. Moi, c'est juste la pause déj là. Je lance ce jeu pour la première fois. C'est vraiment que je voulais le tester. Ça, c'est R. C'est bizarre d'ailleurs que c'est un truc dans la forêt. Ah non, c'est parce que ça. C'est la poste magique où on envoie les créatures. Okay. Bon, on va pas commencer avec l'opéra. En plus, il y a une chouette. Il y a la chouette de la nuit là. Et là, on doit choisir une arcane. Et là, pour moi, on peut choisir juste une arcane qui est full air, quoi. Par exemple, ça, ou putain, on dirait un truc qui va nous attaquer, genre attaque au Tataine, là. La harpie Héraldès, annonciatrice de nouveaux chemins. Depuis sa création par le cadavre de l'archimage Kedamia, la Héraldès propage les découvertes occultes d'une loge à l'autre. Ok. Amour sidéral. Ah, le chaman aussi, c'est en air. Ah ouais, mais il te paye des heures sup ou pas là, parce que... Peut être sympa le chaman. Ça, on n'a pas ce qu'il faut. Le culte de Machina. Genre, il y a des mechas. Ok. Mère enfant loup. Oula, duchesse du réconfort. J'aurais dit donjon SM, mais ok. Mais nous, on peut utiliser que de l'air pour le moment. On
Donc en gros, on a le choix entre... La harpie et le chaman. On va prendre le chaman. Et on peut ajouter un symbole. Pareil, il en a que l'air. Donc, on peut mettre une trompette d'onyx. Comme ça, on peut faire pouet, 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 pouet. Oh, des ailes. Oh, on va prendre ça. Et coucou, madame la MVP. Comment ça va? Du coup, on a un chaman avec des ailes. Ah, il faut que je les place, c'est ça? Tu peux déplacer l'arrière-plan, mais aussi bouger les images. Les faire pivoter, les agrandir ou les rétrécir. Ah! Ah! Classique, je lui mets la scène. Parce que je me fais un peu classique, mais bon. Ne t'en fais pas, ça coûtera pas davantage d'énergie. Ok. Vas-y, toute ton âme. Ok. Et je peux les retourner ou pas? Comme ça, voilà. Hop. Et je peux pas mettre à l'arrière? Attends, si, comme ça. Voilà. Copier. D'accord, sympa. Je fais des ailes d'archange là. Ça, je dédouble. On retourne. Que je pourrais lui mettre carrément devant les ailes, mais... Il y en a une qui traîne là toute seule. Peut faire tourner comme ça après. Genre... Enfin, on va les reculer, ça. Hop. Il y a son bâton là. Je peux l'agrandir ou pas? Je sais pas si je peux l'agrandir. Ah oui. Hé. On le dédouble, je le retourne. Sais pas si j'ai envie de lui mettre des os dans les mains ou... Réconfort, oui, on était sur le réconfort, mais là, effectivement, on est plus sur trop le réconfort. Je pourrais les mettre, faire des chaussures plumes. Je m'amuse. Tu me diras, c'est fait pour. Attends, on va prendre cette plume et on va la mettre là.
Grosse ambiance. Bon appétit, Dorian. Peux remettre une là, dans sa cache derrière. Parce qu'en fait, il y a quoi? Il y a, oui, descendre de 1, placer en haut, ouais, copier, voilà, ok. J'ai envie d'en mettre un autre là. Pourrais mettre ça, mais derrière au fond. On dédouble, on retourne. Et on met au fond. Ouais, ça rend bizarre. C'est pas fou. On va essayer autrement. Ça, on supprime. Ça, je prends. Je copie. Je retourne. Je mets ça là. Voilà. Et en bas. Je peux l'agrandir plus, non. On dirait un chicken nugget quand c'est surligné. Et ça, si je le mets au fond, ça donne quoi? Ouais, pas fou. Pas mal comme ça. Retourne. Et on met au fond. Voilà. Non, 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 j'en ajoute pas du tout beaucoup trop. C'est faux. Il n'y en a jamais trop. On va mettre un petit truc là-dessus. Voilà. Je pense qu'on est bien là. Peut-être ça manque un peu de plume. Une petite dernière là. Un petit c'est pas mal. Trop n'est jamais assez. On est d'accord que c'est pas mal là. Vas-y. Oula. Je sais pas si les forces sont très équilibrées. Murmure tribal. La signification d'une carte dépend des éléments que tu combines. Alors, les salles de l'opéra font résonner les significations de tout contexte. Avec la sauvegarde des connaissances, le rappel des crimes, les ailes des terres élèvent l'arcane aux yeux de toutes et de tous. Un ouragan d'énergie d'air attise la chance et appelle à l'inattendu. Signification, guide, découverte, justice, prédestinée, chance. Ok, moi j'aurais dit bordel. J'aurais dit extravagance, bordel et pièce de théâtre. Dans guide, découverte, justice, prédestinée, chance. Ok. Les éléments de l'air sont reliés à la sociabilité, à la communauté et au karma. Si tu retiens bien tous ces principes, tu pourras développer ton propre style de divination. Au début, c'est un peu déroutant. La seule manière de maîtriser cet art, c'est de le pratiquer. Ok. Pour moi, j'ai que celle-ci, du coup, mais d'accord. Après, c'est de bonnes significations. Oui. Alors, ça t'a plu? Ça a l'air prometteur, ouais. C'est bien plus complexe que le tarot, mais je sens bien que tout le potentiel de cet art. Tant mieux. Et dis-toi que ce n'est que le début. Tout cela sera encore plus concret quand tu pourras les essayer. Mais on va attendre que tu aies fabriqué au moins deux cartes. Parce qu'avec une seule carte, pas facile de lire quoi que ce soit. Ha ha ha!
Oui, bah oui. Pardonne-moi, tu dois être exténué. Va donc te coucher et révise les bases des éléments de l'air. Demain, nous libérerons ton eau. Ah, merci, Abramar. C'est moi qui te remercie, Fortuna. Je te rendrai heureuse, je te le promets. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qu'on lui donne en échange? Parce qu'il nous file des pouvoirs, mais... Oula. N'aie pas peur de lui, deviens sa maîtresse. Alors ma carte est quand même mieux rangée, même si c'est le bordel. Hein. Leçon 3, émotion. C'est quoi le but du jeu? Alors on est une sorcière qui a été bannie de sa loge parce qu'elle avait prédit la chute de sa loge. Et donc on a fait un pacte avec un démon pour essayer de retrouver des pouvoirs. On avait marre d'être seule, isolée dans l'espace. Et donc on crée des cartes de tarot et je sais pas trop pour le moment ce que va être notre but hormis retrouver nos pouvoirs. C'est un peu conceptuel. Oh Fortuna! Oh Fortuna! Pardon. Chaque jour qui naît, je t'enseigne. Le cosmos est jeune et ton cœur saigne. Tu fais quoi là? Ah. Je me suis dit que tu aimerais peut-être que je me conforme à l'image poussiéreuse que tu avais de moi. C'est vrai, on lui a dit qu'on s'attendait à ce qu'il parle en alexandrin. Bon, je préfère qu'on se concentre sur la formation, hein. Oh, arrête un peu. Moi aussi, ça fait une éternité que j'ai parlé à personne. Détends-toi, allez. Assez, je t'ordonne de te mettre au travail, pof. Je voudrais qu'on se mette au travail, s'il te plaît. Oh, familier, toi que je te chéris, vas-tu m'instruire encore aujourd'hui? Vas-y, on va faire ça. Quoi? Bon, t'es d'attaque, as-tu le trac? Arrête, arrête! Je me rends. Allez, viens, il est temps que tu m'apprennes ta magie. Eh bien, même quand tu blagues, tu ne fais pas les choses à moitié. Allez, on se concentre. Et coucou Gwen, ça va-t-il? Il est temps de commencer la leçon du jour. Le deuxième élément que nous allons libérer est l'eau. L'eau représente la substance, la signification, la nature cachée de toute chose. L'eau a plusieurs formes: l'intention, le désir, la volonté. L'eau est tout ce qui vit en toi. L'eau, c'est l'émotion. Ça me paraît bien résumé, oui. Si tu maîtrises l'eau, tu obtiendras la clé du cœur et de l'âme de tous. Il y a une vraie force dans l'empathie et la conscience de soi. L'eau, c'est pas mon point fort, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, j'avais remarqué. Mais ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. Bien, pour la deuxième partie de notre pacte, nous allons sceller nos deux énergies de l'eau. Allons-y. À nouveau, c'est toi qui vas décider de la nature de notre accord. Réponds à cette question. Et n'oublie pas, tes réponses auront des conséquences sur ton destin. Des conséquences radicales. Oui, je sais. Pour le sceau de l'eau, quel est ton désir le plus secret? Le pouvoir, la passion, le savoir. Ce serait quoi, vous, votre désir le plus secret? Puis tu dis, allez, ça commence l'essor tout en en lançant un. Hein, genre... Le savoir. La passion, c'est cool, mais la passion, c'est un truc éphémère, non? Ou alors avoir la passion toute sa vie pour des choses qu'on aime, c'est cool aussi. Un pouvoir, c'est un peu dark, je trouve. Mais j'avoue qu'avec le savoir, tu peux faire plein de trucs. Il y a des gens qui te diront, le savoir, c'est le pouvoir. J'hésite entre le savoir et la passion. Vas-y, je vais mettre la passion. Pour varier. Ça, si on refait une run, on fera le savoir, mais... Alors, on va se foutre dans la merde un peu, là. C'est intéressant que tu aies dit passion et non pas simplement l'amour. Bah, parce que tu m'as pas proposé le choix, Tartempion. Si tu recherches des faveurs sexuelles, je peux m'en charger, tu sais. Ah bah bravo. Inutile de gaspiller un seau. Arrête ton char, Abramar. Restons-en à la passion, alors. Mais je ne blaguais pas pour le sexe, tu sais.
Toi et moi, on est restés isolés trop longtemps. Super. Si jamais tu changes d'avis, je me ferai un plaisir de t'obéir. Ouais. J'ai une question. À quel moment les pactes que nous scellons deviendront effectifs? Immédiatement. Ils sont gravés dans la roue du cosmos au moment même où nous parlons. Tout sera clair en temps voulu. Et crois-moi, quand le moment sera venu, tu le sauras sans aucun doute possible. Ok, je vois. Je peux te dire encore ceci. Les pactes viendront à toi dans l'ordre dans lequel tu les as scellés. Au début, tu ressentiras l'adoration dont tu feras l'objet. Tu verras à quel point tu es idolâtré. Puis tu reconnaîtras ceux qui peuvent assouvir ta soif de passion. Après quoi, ce que nous aurons scellé sur ton élément de terre se produira. Et à la toute fin, dans un futur encore éloigné, tu devras me payer le prix du sceau du feu. Payer, Tout ce que tu demandes a un prix, Fortuna. J'imagine que c'est pas pour rien qu'on nous interdit d'utiliser le sort qui t'invoque. Ah, ça y est, tu regrettes? Non, je dois le faire. Scellons le deuxième pacte. Allez. Très bien, accroche-toi. Arc, mes os. Wouhou! Alors toi, t'as de sacrés pouvoirs. J'espère seulement que toute cette torture vaut le coup. Ça vaut le coup, aie confiance. Je peux faire une nouvelle carte maintenant? Oui, c'est la même procédure qu'hier. Rends-toi à l'étage du dessous. Ok, regardez le paquet, créer une carte. Ok. Alors, donc maintenant on a 9 bleus et un rose. Du coup, on peut prendre ça, d'accord. Les eaux de Javalana Payashioti. La bibliothèque naufrage, ça peut être sympa. La maison d'une divinité aquatique qui collectionne les lettres jamais envoyées ou jamais reçues. Les sorcières peuvent acheter ce savoir perdu en échange de poèmes inédits ou de jolis coquillages. J'aime beaucoup. C'est très mimes comme. J'aime bien. Alors là, non. On peut toujours prendre que du bleu et du rose. On n'a pas assez pour elle. Mère et enfant loup. Ouais. Ça, on n'a pas ce qu'il faut. La porte interdite du plaisir. What the fuck? C'est vrai, ça marche aussi dans l'autre sens. Parce que quand on a la passion, on peut avoir envie d'aller apprendre. Le barman. Il a l'habitude de pleurer et célébrer aux côtés des gens de tous horizons. Il sait comment entrevoir l'âme des mortels et comment exploiter ce don. Ça a l'air marrant, on va travailler sur le barman. Fais que des cartes avec des gars dessus, tout va bien. Pelle d'or. Alors il nous reste quoi? Il nous reste que du bleu. La cruche sans fond. Oh, il y a un petit poisson! Son contenu est amer en raison des larmes des mortes qu'on y a versées. Ok. De toute façon, on n'a pas trop de choix si on a le trident de verre. Il ne fait saigner que les traîtres. Guéruche t'écureux. Ok. De toute façon, on peut faire que un truc en eau. Livre de médiatrice. Cœur d'espadon. Après un verre, vous serez enjoué. Après deux verres, vous serez excité. Après trois verres, vous serez honnête. Ok, donc on a le choix entre la liqueur d'espadon. Oh, le miroir Viridis. Vous ne pouvez mentir alors que vous le regardez. D'accord. Ça peut être sympa. Les yeux du chat des neiges. Si vous fixez un œil de chat des neiges sur une poupée de verre, celle-ci s'animera et vous protégera au péril de sa vie.
Elles sont aussi fragiles que dangereuses. J'hésite, parce que du coup, on a le choix avec les cruches, le trident. On peut se permettre parce qu'on a encore de l'air, de l'eau. La liqueur d'Espadon. Ce sera bien avec le barman. En vrai. La logique serait de faire un truc avec le barman. Mais bon. On va prendre le miroir, tiens. On va varier un peu. Alors, on a un barman qui a pas de bras. Attends. Je suis épi de main droite ou c'est moi qui fume? Je peux retourner du coup, ouais. C'est pas bien de fumer. Mais bon. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. On a des verres qui traînent. Hop. Je mets des masques à tout le monde, quoi. Là, ça devient flippante mes cartes quand même. Peut faire une grosse clope. Merde. Non! Comment je fais pour venir en arrière? Je peux pas. Je vais couper les bras! Alors je mets en tablier. Il a un tablier masque comme ça. C'est le tablier qui fume. Eh, je peux lui mettre plein de bras si je veux d'ailleurs. Mais il y a ce truc aussi là, je sais pas ce que c'est. Ah, il y a le vert aussi. Ok. Ouais. On peut pas le mettre genre en transparence. Mieux de main droite que de main gauche. Bah, ça dépend en vrai s'il est gaucher, c'est sûr que non, mais. Ah, il y a des yeux là. Je mets des yeux, je sais pas pourquoi, sur les bouteilles. Let's go. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. C'est un truc qui coule. Ah, c'est le verre qui coule. On va essayer comme ça. Un peu le bordel cette carte, mais let's go. Tamagozake. La divinité dans l'épave examine tous les secrets. Témoin de toutes sortes d'amour, le barman peut canaliser les sentiments cachés. Le miroir dissipe ce qui n'est pas vrai. Un afflux d'eau révèle les potentiels cachés. Communication, paix, envie, passion, puissance. Ben voilà, il y a passion dedans. On voulait un truc avec de la passion, let's go. Le Tamagozake. Ok. À présent, on remonte. Tu vas me tirer les cartes. On en a que deux.
Il est temps de faire un peu de divination. C'est ta spécialité, alors je te laisse me guider. Bon, alors c'est parti pour de la divination avec seulement deux cartes. On a besoin de vérifier que ces cartes fonctionnent, donc je vais te faire une divination qu'on pourra vérifier tout de suite. Je vais lire ton passé. Ah ben ça, c'est gonflé. Ça me plaît. Je suis prêt. Alors, ça fait quelques siècles que je suis privée de mon tarot. Je suis peut-être un peu rouillée. On fait ça pour s'amuser, pas de pression. On est entre nous. Bon, bah je vais commencer par une lecture simple. Je vais tirer une carte et la placer à cet endroit afin de lire ton passé. Allez, on y va. Passé. Voilà. Tu as servi de nombreuses sorcières par le passé. Ah, on peut prédire. Ah, mais attends, mais j'ai pas assez de. J'ai pas assez de points pour prédire. Tu as été roulé, torturé ou détruit plusieurs fois. Tu es plus vieux que cet univers. Tu as servi de nombreuses sorcières. J'ai que ces trois-là, ok. Et ça rapporte des points, non? Ou ça rapporte ou ça nous en coûte? Tu es plus vieux que cet univers. Eh bien, ces cartes sont puissantes. Je ne m'attendais pas à ce que tu atteignes cette révélation tout de suite. Je suis fier de toi. Merci, mais ça veut dire quoi alors? Comment tu peux être plus vieux que le Big Bang de Fortnite qui a eu lieu hier? Ça va être coton à expliquer avec des mots. Bon, tu sais que l'univers est en constante expansion, non? Oui. Eh bien, l'univers est en expansion sur quelque chose. Ou bien devrais-je dire sur du rien? Vraiment, je ne vois pas trop comment dire ça avec des mots. Mais en gros, oui, j'existais avant cet univers. Et à un moment donné, l'univers dans lequel tu vis a grandi autour de moi, et j'ai dû me soumettre à ses lois. Avant d'être capturé par un univers, nous autres béhémoths vivons sans forme, ni sans masse, ni temporalité. Ça veut dire qu'il y a d'autres univers en plus de celui-ci? Oui. Et ils sont comment? Impossible à décrire avec les langues et les codes développés dans cet univers-ci. Non, mieux vaut ne pas trop y penser, tu risques d'y laisser des neurones. Ce que je peux te dire, c'est que ma nature extra-universelle qui m'a c'est ma nature extra-universelle qui m'a octroyé ses pouvoirs. La magie n'est jamais qu'une compréhension plus profonde de la réalité. Bon, allez, reprenons ta formation. Ok, donc c'est ce que ça rapporte. Ouah, c'était quoi ça? J'ai senti un pic d'énergie. C'est parce que ton jeu de cartes a récupéré de l'énergie. Pour chaque divination que tu fais, tu récupères de la magie apparentée à la carte que tu as tirée. La cartomancie sera ta source principale d'énergie une fois que le pacte sera scellé. Je vois. Bon, les cartes fonctionnent. Elles fonctionnent à merveille même. Tu es une cartomancienne sacrément douée, mon ami. Merci. Ça m'avait beaucoup manqué. J'avais presque oublié à quel point c'était excitant de fouiller dans les secrets de la roue du cosmos. Je suis très content pour toi. Et moi, je te suis très reconnaissante, Abramar. Et ce n'est que le début. Allez, essaye de te reposer. Demain, nous fabriquons une autre carte et nous ferons de la divination. Ah, j'ai hâte d'y être. Bonne nuit. Abramar a été trahi de nombreuses fois auparavant. Quelles sont tes intentions avec lui? Leçon 4, force. La leçon du jour portera sur la terre. Là, c'est du costaud. Ah, parce que les autres, c'était pas du costaud? Si, bien sûr, mais là, c'est de la force brute. De la puissance pure, littéralement. Bon, bah, très bien, ravi de voir que ça t'excite à ce point. J'aimerais qu'on commence, si tu veux bien. Très bien, alors la terre, comment résumer ça? La terre représente la détermination, l'émancipation, tout ce qui nous pousse à avancer. La terre, c'est aussi tout ce qui est ancré, tout ce qui soutient la source, mais aussi la direction de ta force. La terre, c'est ce qui te pousse, la terre, c'est la force, oui. Voilà, c'est ça. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de capacité, c'est aussi la manière que tu as de soutenir tes alliés. Pour maîtriser la terre, il faut savoir où chercher du potentiel et ne pas s'enivrer de son propre pouvoir.
L'amour maternel, la loyauté, la sororité, ce sont aussi des formes d'énergie de la Terre. Je comprends. À présent, pour la troisième partie de notre pacte, nous allons sceller nos deux énergies de la Terre. Allez, vas-y, pose-moi ta question. N'oublie pas, tes réponses auront des conséquences sur ton destin, des conséquences radicales. Pour le sceau de la Terre, quelle sera ta principale source de détermination? L'amour, le soutien de mes amis, l'esprit de conquête, pouvoir vaincre mes rivaux ou moi-même, le développement personnel et la conscience de soi. J'hésite entre l'amour et le développement personnel. Parce qu'on a déjà mis la passion avant, donc. Je sais pas, mais bon. Que vient faire là-haut là-dedans? J'ai pensé à elle en plus quand j'ai vu le développement perso. Bon, allez, vas-y, on va pas être l'amour. L'amour! Que trois câlins, let's be! Oignon! Alors, ça, c'est très beau. Pas de chance, il n'y a que moi comme ami potentiel ici. Hé, j'ai des amis, je te signale. Une des raisons pour lesquelles je t'ai invoqué, c'est que je veux les revoir. Donc, si ta magie est aussi puissante que tu le répètes, tu les croiseras très bientôt. C'est tout ce que je te souhaite, sinon l'activation de ton sceau de terre risque de pas faire long feu. On ne se voit pas, mais pourtant, mes amis me soutiennent, j'en suis sûre. Je vois, c'est très touchant. Un peu moins en mode ermite ces dernières années d'ailleurs. À présent, nous allons sceller nos deux énergies de la Terre. Attention. Mais quel pouvoir! J'adore les pactes de la Terre. Ah super, j'ai failli vomir cette fois. Oui, la Terre a une très forte présence. J'ai déjà vu des sorcières dégobiller juste après avoir scellé les énergies de la Terre. Ça fait de moi une sorcière coriace alors. Ça ne fait aucun doute. Tu es la première sorcière à ne pas pleurer pendant la cérémonie. Bon, après, il n'y aurait rien de mal, on a le droit de pleurer et tout, quoi. Quoique, il nous reste l'énergie du feu à sceller, c'est la plus douloureuse, même pour moi. Oh, misère. Oh, tu peux le faire, allez, c'est la dernière. Allez, on passe à la partie fun. Fabriquons une carte! Une carte. Alors du coup on a de la terre. Ce qu'il nous faut c'est du feu encore qu'on n'a pas. Temple de pierre de lune. Ça peut être cool. Qu'est-ce qu'il y a comme fond que j'aime bien? La chute des moines de jade. Ah, j'aime bien ça, l'église des 100 colonnes. Un canyon non euclidien. Vas-y, on va prendre ça. Amour sidéral. Pilote du culte de Makina. Le souffleur d'or. Duchesse du réconfort. Le retour. Ça, il y a du feu, on peut pas. On peut pas. Le dragon. Le dragon, on pourrait. Oraclès de la récolte. On pourrait, quand si on tombe sur cette carte, ça permet de récolter un peu des énergies de chaque. Le fleuriste. Il fait peur ça, la graine du savoir. Je suis désolée, mais il me fait flipper. On peut faire le bémol, le souffleur d'or, le dragon. On va faire l'oraclès de la récolte.
Merci pour les câlins, let's be. Ah oui, et un objet, il nous reste un d'air et 5 de terre. Canne en bois sacré. Ça peut être sympa, un petit peu de terre. Masse d'obsidienne. Gardienne de route de jade. À l'abri des vols et des prédatrices. Et des prédateurs. Ok. Un petit bouclier. Golem de fer. Attends, on va prendre ça. On va rester un peu dans la terre là pour le coup. Voilà, ça va bien avec le bonhomme là. Mode la piouta, let's go, petite forêt là. J'ai envie de mettre des petites fleurs partout. Pas comment lui faire une espèce de queue genre en façon un peu sirène ou alors on le met comme ça genre fait genre il est sur des racines. Il vole. On peut en mettre des volantes comme ça aussi. Plus petite. Hop. Il va tenir la fleur. Ok. J'ai envie de mettre des buissons en bas. Genre comme s'il y avait des arbres. Genre une forêt. Et on met à l'arrière. Ça qu'on peut être un peu au-dessus. Peut mettre des plantes aussi. Il y en a partout! J'ai pas mis de ça, tiens aussi. Allez, encore un peu plus de bordel. Mais un peu plus de bordel là. Ça, je peux dédoubler, retourner de l'autre sens. Voilà, on est pas mal là. Retourner aussi un peu pour changer. Voilà. Ah, il y a des petites plantes comme ça aussi, c'est vrai. Je vais le mettre derrière. Hop. Voilà. Je peux faire comme ça en vrai.
J'ai pas mis ces bâtons comme ça aussi là. Ça pourrait être un truc de devant là. Je refais un peu de déco. On peut aussi mettre ça et mettre ça derrière. Hop. Ok, c'est pas mal. On est bien dans le bordel là. Peut-être un peu trop. Ça, on pourrait faire juste. Parce que si je fais ça, je peux la faire plus petite. En gros, ça, si je le mets là, si je le tourne. Que je le mets à l'arrière. Ça y est, flotte. Voilà. Et ça, c'est quoi là? Ah, il y a un truc qui se balade. Ah, c'est sa queue. Ah. Sans mauvais jeu de mots, on va peut-être la faire un peu plus grosse quand même pour aller avec le bonhomme là. Voilà. Ça, il vole au-dessus des plantes. Voilà, allez. Oula, il y a plein de trucs liés là. Nérine Céleste. La multiplicité de la conscience. L'Oraclès ne propose que les graines les plus résistantes de leur lignée. La canne sacrée bénit le paysage. Un excédent d'énergie terrestre peut conduire à l'immobilité. Détermination, légitimité, soutien, succès, médiocrité et stagnation. Aïe, c'est un peu tout. Il y a succès et médiocrité. Ok, c'est ouais, dans la même carte, ça va être complexe. Viens jouer. Viens me tirer les cartes à l'étage, tu veux? Est-ce que notre personnage a l'air si blasé, genre en mode... Bon, à présent, nous avons trois cartes. Tu sais ce que tu vas lire maintenant? Le présent, j'imagine. Ah non, je vais lire tes désirs. Je vais découvrir quelles sont tes véritables intentions. Oh, tu veux donc afficher ton professeur? Tu ne me laisses aucun répit. Allez, vas-y, tu ne me fais pas peur. J'ai besoin de comprendre, c'est pour le bien de notre relation. Ah, le murmure tribal qui ressort encore. Tu es profondément dépressif, tu recherches la paix intérieure, ok? Tu en veux à plein de gens, mais tu ne cherches pas la vengeance, tu cherches la résilience, ok? Ou tu aimerais qu'on t'invoque plus souvent, tu veux que les sorcières te désirent davantage. Vas-y, je suis sûr que c'est ça. Ça, c'est sûr. Je dois avouer que je suis un obsédé des sorcières. Varc, c'est bizarre ça. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Je parle pas de sexe, enfin pas que. Il y a quelque chose d'intense et de stimulant quand on se met au service d'une sorcière. Vos désirs sont toujours tellement hauts en couleur. L'excitation que je ressens quand j'exécute les ordres d'une sorcière, c'est une véritable jouissance. Ça reste un truc de pervers. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune forme de perversion. J'ai la chance que mes pouvoirs constituent une tentation pour votre espèce. J'ai hâte de voir ce qui sortira de notre collaboration. Et moi, je pense que tu es destiné à secouer le cocotier cosmique. Le secouer radicalement. Toi, tu aimes quand ça secoue. Ha 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 ha. C'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. En fait, j'ai un peu peur. Un peu seulement. Je crois que je vais tirer une autre carte. Ah bon, pourquoi? C'est difficile de lire en toi, tu sais. Je n'arrive pas à savoir à quoi m'en tenir avec toi. En plus de ce que tu désires, je dois te poser une autre question. Pourquoi agis-tu comme ça? Ça veut dire quoi comme ça? Chut, laisse parler les cartes. Comportement. Tu essayes de me séduire ou tu as besoin de laisser éclater ta supériorité. Bah, il a un côté dragueur hein, depuis le début. Hein. Tu essayes de me séduire. Ha 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 ha. Est-ce que tu essaierais de me draguer en utilisant les cartes? Moi? Mais non! Genre, what the fuck?
te jure que c'est ce que me dit la carte. N'essaye pas de te défiler. Alors, dis-moi tout. Je t'ai déjà confessé mon penchant pour les sorcières. La plupart du temps, je tombe amoureux de la personne qui m'invoque. Et toi, Fortuna, je dois avouer que j'adore ton attitude autoritaire. Oh, pitié, au secours insoumis. Je ne suis pas certaine d'aimer la tournure que prend tout ceci. Allons, ne t'en fais pas, je ne serai pas insistant. J'ai l'habitude d'apprécier l'amour de loin, même si je ne suis pas amoureux pour l'instant, que ce soit dit. Je ne fais que jouer un peu. Oui, on va y aller tout doucement, hein. J'ai déjà eu des relations sexuelles magiques avec des entités cosmiques pour info, mais je préfère qu'on se concentre sur la formation pour l'instant. D'accord. C'était trop chelou, quoi. Qu'est-ce que c'est? Toi, quand tu lis les cartes, tu fais pas les choses à moitié, hein. C'est ça la divination pour moi. Si on parle pas de choses intenses, autant ne pas parler du tout. Ça, c'est bien vrai. Même si des fois, c'est bien aussi de parler de choses moins intenses. Mais intensité, c'est cool. Surtout dans la divination. Je suis parfaitement d'accord. Je sens que je ne vais pas m'ennuyer avec toi. Et arrête de répéter ça, c'est bon, on a compris. Bon, et maintenant? Après la session d'aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de repos. De ton côté, révise ce qu'on a appris jusqu'ici et prépare-toi pour la leçon. Le dernier sceau est celui du feu, et c'est aussi le plus éprouvant de tous. Très bien. Crois-tu que tes amis comprendront pourquoi tu as invoqué un béhémoth interdit? Crois-tu que tes amis te dénonceront à la loge? Si tu avais découvert en lisant les cartes qu'une sorcière de ta connaissance avait enfreint les mêmes règles que toi, tu la dénoncerais, n'est-ce pas? Bah non. Ben. Fait 100 ans qu'on est éjecté dans l'espace, là, donc au point où elle en est. Prête pour la suite? Oui. Que penses-tu de la cérémonie jusqu'ici? Tu veux revoir les bases avant de continuer? Non, non, je crois pas. Tout ceci était assez simple. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas aussi enjoué que d'habitude. Ah, oui, pardonne-moi. Le feu est en général ma leçon préférée. Et cela marque la dernière étape avant que notre pacte devienne effectif, ce que j'attends avec impatience. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Étrange. D'après toutes tes actions jusqu'ici, je croyais que tu aimais vivre sous la menace de conséquences radicales. Ah oui, c'est le cas. Ce genre d'adrénaline, c'est ce que je préfère dans tout le cosmos. Eh ben, quel est le problème alors? T'as raison, je devrais arrêter de me faire du souci pour des broutilles et me concentrer sur notre formation. Je suis de mauvaise humeur, je sais pas trop pourquoi. Ce ne sont pas des broutilles. Voici ce que je te propose. On termine la session du jour et après on se penche sur tes soucis en utilisant les cartes. Oui, on va peut-être faire ça. C'est l'un des avantages d'être invoqué par une cartomancienne, non? Tu as raison. Allez, j'accepte, ce sera un bon test pour ce nouveau jeu de cartes. Ça, c'est la bramar que je connais. J'ai besoin que tu sois bien concentré pour cette dernière leçon. Le feu, disions-nous. Les gens se méfient de cet élément et il attire irrépressiblement ceux qui sont mal intentionnés. Mais le feu est plus polyvalent que ce que les praticiens de la magie imaginent. Le feu, c'est l'adversité, le combat, tout ce qui est contre toi. Le feu, c'est aussi le défi d'intimidation, ce qui nourrit tous les antagonismes. Le feu, c'est ta colère. Le feu, c'est le conflit. Exactement. Mais ne t'attarde pas sur les aspects négatifs de cette définition. Le conflit, c'est aussi le développement de toute chose. Le feu est seulement négatif quand tu te trouves du côté qui perd. Super. Et même dans la défaite, il est possible de se développer. Regarde-nous, par exemple. Si tu maîtrises le feu, tu pourras triompher de tout ce que le cosmos peut t'opposer. Pour être honnête, je suis plus intimidée par l'eau. Mais ça, il devrait pas nous faire dire ça, parce qu'en fait, il devrait nous faire choisir par quel truc on est plus intimidé. Parce que c'est bizarre dans un jeu où ils te font choisir plein de trucs que le caractère soit aussi défini, quoi. J'adore le feu, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend si bien. Allez, scellons notre dernier pacte. Cette réponse aura des conséquences sur ton destin, des conséquences profondes. Pour le sceau de feu, qu'es-tu prête à sacrifier pour obtenir ma magie? Mon immortalité, la loge ou la vie de la personne que j'aime le plus. C'est pour ça qu'il est grognon, ouais, genre. Alors, j'hésite avec la loge, puisque la loge, je me dis, est-ce que ça veut dire buter les gens dans la loge, ou est-ce que ça veut juste dire j'appartiendrai plus à la loge? L'immortalité, c'est quand même chaud de sacrifier l'immortalité. Parce que si elle est immortelle et qu'elle peut apprendre plein de trucs et tout, j'irais plutôt sacrifier la loge.
Tant que c'est pas buter les gens dedans, quoi. Juste ne plus appartenir à cette loge-là. Pas grave, elle est immortelle, elle se fera d'autres potes ailleurs. La loge. Wow, alors ça c'est rude. Bah pourquoi? Ça veut pas dire que les personnes de la loge vont mourir. La loge peut simplement être dissoute, pas vrai? Exact. Ou bien ces personnes vont se faire absorber par une loge plus puissante. Ou encore, elles pourraient toutes fusionner en une sorcière au pouvoir surpuissant. Ça, c'est déjà vu. Il existe de nombreuses possibilités, mais quand même, utiliser toutes les personnes que tu connais en monnaie d'échange, c'est violent. Mais non, c'était pas les personnes, moi je l'ai pas pris comme ça, j'ai pris comme je n'appartiendrai plus à la loge. Genre, je sacrifie la loge au sens où je ne vais plus dans cette loge-là, je n'en fais plus partie. Tu veux changer d'avis? Oui, je vais répondre autre chose. Oui, j'avais. Ouais. Du coup, c'est chaud parce que ça veut dire que là, du coup, ça touche aux gens. Bon, bah, son immortalité, du coup. Waouh, t'es vraiment sûr de toi? Ta vie ne durera pas plus de 60 ans après avoir scellé ce pacte. Par ailleurs, tu ne pourras plus vivre dans l'espace. Tu devras redescendre sur Terre et vivre parmi les humains. Non, non, vas-y, c'est mon dernier mot. Comme tu voudras. Je vais graver ta décision dans la roue du cosmos et prier pour qu'elle ne se brise pas quand le temps de payer sera venu. Accroche-toi. Ah, je peux plus respirer. Oh, cette douleur, ça brûle. Ça me démembre atome par atome. J'adore. Ah, l'aide. Fortuna. Oh, Fortuna. Terminer la cérémonie d'Abramar. Réveille-toi. Allez, debout, Fortuna. Chapitre 1, médiation. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, je devais être réveillée, tu dors depuis 3 jours. T'es restée pour morte après qu'on a scellé le pacte de feu. J'ai pensé que le choc avait été trop dur à encaisser pour toi, donc je t'ai laissé te reposer. Ah, j'ai la tête qui tourne. J'ai fait des rêves vraiment bizarres. Ah oui, à propos de quoi? Je me souviens plus, mais ça avait l'air prémonitoire. Bon, je suis désolée de te réveiller, mais t'es attendu. Comment ça? Regarde à la fenêtre, tu as de la visite. Oh, ce faucon, c'est un familier des médiatrices. Qui sont les médiatrices? L'office de médiation est un organisme composé d'anciennes sorcières qui ne sont plus affiliées à aucune loge. Les médiatrices s'assurent que toutes les sorcières respectent les lois du pacte magique. Elles statuent dans les conflits entre loges, même si elles interfèrent rarement dans les affaires internes. L'office de médiation a été fondé il y a 4000 ans. Pas étonnant que tu le connaisses pas. Ah oui, tout ça a eu lieu pendant que je dormais. Pourquoi on a créé cet organisme? Eh bien, les médiatrices et le pacte magique ont été créés après une guerre sanglante qui s'est achevée quand notre loge a ordonné un bûcher de 87 sorcières dans une étoile blanche. En fait, j'aurais dû sacrifier la loge, hein, elle a l'air vraiment pourrie, notre loge, je suis désolée, mais. Quelle violence! Pour que de telles atrocités se reproduisent pas, certaines sorcières ont juré de plus utiliser la magie et de protéger la paix. Au début, c'était un groupe d'adeptes qui voulait éviter de nouvelles tragédies, mais à présent, ce sont plus que des parias qui doivent servir à l'office dans le cadre de leur sentence. Eh bien, les choses se sont vraiment dégradées depuis ma dernière sieste, j'avoue. Ça lui perturbe. Comment ça va? Tout ceci a eu lieu avant moi, mais je redoute davantage les guerres de sorcières que la police des sorcières. Et d'après quoi, elle te veut quoi, la médiatrice? Bon, peut-être qu'elle a remarqué que je t'avais invoqué, non? C'est impossible, ma magie est indétectable. Ouais, enfin, t'es pas très discret, mec. Dans ce cas, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut l'inviter à entrer. D'accord, je vais me rendre invisible quand tu la recevras. N'oublie pas qu'il te reste de l'énergie en réserve pour avoir scellé le pacte de feu. Si jamais tu souhaites développer ton jeu de cartes avant d'inviter la médiatrice, c'est noté. Et puis je te dois toujours une divination, pas vrai? Ah, t'en fais pas, on fera ça plus tard. Pas de problème, mais va pas croire que je t'ai oublié. On s'occupera de ce qui te soucie un de ces jours.
C'est pas comme si je pouvais me défier. Oui, on peut faire le jeu de cartes avant de voir la médiatrice. J'aime bien nous attendre sur le bord de la fenêtre, quoi. Des courbatures, qu'est-ce que t'as fait de beau? T'as marché partout? Étiez sur un stand ce week-end? Regardez le paquet. Créer une carte. Alors maintenant, on a du feu! On a plein de trucs, d'ailleurs. Temple de pierre de lune. On peut en prendre un qui soit mélangé, du coup. D'une démoniaque. On peut en prendre un qui coûte plein de trucs différents si on veut. Là, ils sont très. Le Red Strings Club. Ok. Ça pourrait être le barman, j'imagine. C'était quoi ce truc-là? Ouais, c'est joli ça en fond. Vas-y, on va mettre ça. Troll Ball, ah oui d'accord. Et AMHE. AMHE? Ah, c'est une ref à leur précédent jeu, ok. Vas-y, amour sidéral. Qu'est-ce que. Truc varié. On peut mettre la duchesse du réconfort. Pardon, mais elle fait tellement rire. Vas-y, let's go. C'est quoi de l'AMHE? C'est le reconstitute historique? Enfin, c'est genre de la baston. Vas-y, on va faire une carte. Waouh, fouet de feu dominateur. Ok. Sabre de combustion. Ah, mais il est kinky ce jeu, c'est pas possible. Hein. Les trois inévitables, une nuée d'oiseaux prédateurs légendaires. Ok. Et la chouette de la nuit. Il y a une clé. J'ai envie de mettre, il y a une clé et la chouette de la nuit. Vas-y, je vais mettre les oiseaux légendaires. Ah non, j'ai pas assez d'énergie. Oh non. Oh non. C'est quoi qui me manque pour les oiseaux? Ah, il me manque un verre. Ok. Livre de médiatrice, ok. Le sort se brisera si l'anguille meurt. Secrétaire des secrets. En fait, je veux faire un truc qui mixe les énergies, comme ça, si on tombe sur la carte, ça nous recharge un peu en mixé. C'est bien d'être en mixé. Et c'est pour ça que je voulais mettre eux aussi, mais on peut pas. Bon, ça, c'est mixé, remarque. Bon, elle va être. Ouais, elle est très classique, celle-ci de carte, du coup. Ouais, sur la meuf dominatrice là avec des fouets de feu et tout, super. Ok, vas-y. On va lui mettre des plumes. Putain, elle a l'impression de faire un catalogue pour je sais pas quoi là. Hop. Il n'y a plus de musique au fait. Je peux lui mettre là, l'épée. Hop. Voilà, et je recule d'un cran. Non, je l'avance. Ah oui, non, mais je suis con, sa main, elle passe pas d'un cran. Je suis obligé de. On va mettre comme ça, c'est pas grave. Je sais pas trop ce que je suis censé faire avec ça, mais ok. Admettons. C'est impossible à placer ces trucs, c'est quoi? C'est du feu. Ça, on peut mettre ça derrière. La rhabiller avec des du feu aussi. Si je mets ça plus petit, est-ce qu'on peut faire un truc sympa là? Ouais. Ouais. Si je mets ça devant d'ailleurs, hop. Placer à l'avant.
ressemble à rien cette carte. C'est pas ma meilleure, hein, putain. Hop là. En même temps, avec les objets qu'il me donne, là, avec le fond que j'ai choisi, c'est pas fou, hein. Ça, c'est quoi? C'est une allumette. On va lui mettre l'allumette aussi. Voilà, elle a plein de trucs pour attaquer. Bon, c'est pas grave, c'est moche. Mais il est quelle heure? Il est 59. Il est très queer. Ouais, il est pas que queer, il est très kinky aussi, quoi. Mais bon, il y a quand même le démon de Peter qui dragouille aussi. Art martiaux historique européen. Ok, d'accord. C'est ça l'abréviation que j'avais pas. En plus, tu en avais déjà parlé, mais comme j'ai une mémoire de chiotte, et avec les acronymes, c'est. La mère de l'arme en perpétuelle ébullition ouvre l'accès aux émotions les plus profondes. La duchesse maîtrise à la perfection désir et dynamique de pouvoir. Celles qui oublient le mot de sécurité se consumeront dans la tragédie. Le fouet exalte le plaisir singulier du conflit. Ok. Envie, passion, rejet. Mauvais présage, courage, rivalité et tragédie. Oui, bah, on est bien on a des trucs très sympas. Celle que j'avais fait avant était quand même plus choupie, hein. Bizarrement. Voilà. Ah, je peux encore créer une carte si je veux. Ah ouais! Si on veut, on peut s'amuser à créer encore d'autres cartes. D'accord. On va faire déjà avec ces quatre-là. On en a quatre déjà, là, c'est bien. On va aller voir la madame. Tant qu'on monte là. En plus, il va falloir que je coupe après. C'est vrai que je peux bouger le fond. J'avais testé sur le premier. Après, j'ai zappé que je pouvais faire ça, c'est vrai. Merci. J'ai zappé que je pouvais bouger le fond des cartes. Bon, après, c'est pas grave, ça marche aussi comme ça, hein. Je sais pas si on peut modifier une carte qu'on a déjà créée. Il est joli ce petit faucon. Chère Fortuna, je m'appelle Théa, je vous écris depuis l'office de médiation. Votre situation personnelle a retenu l'attention de mes supérieurs et je suis chargée de réévaluer votre dossier. Je souhaiterais m'entretenir avec vous au sujet de votre exil et rédiger un plaidoyer à votre supérieur afin qu'elle revienne sur votre cas si nous jugeons votre sanction excessive. Bien à vous, Théa, médiatrice matricule 210, grade lune croissante. Bah, ouais, vas-y. On va l'inviter. Merci de me recevoir. Mon nom est Théa, médiatrice matricule 210. Bah, merci d'être venue, médiatrice. Je suis reconnaissante à l'office de bien vouloir prendre en compte ma situation. Ça fait 200 ans que je suis exilée et c'est justement pour cela que je suis ici. L'office de médiation a récemment eu vent de votre situation et nous craignons que cela ait des répercussions au sein de la communauté. Les châtiments excessifs débouchent souvent sur des rancunes tenaces et un exil de 1000 ans rentre précisément dans cette catégorie. Et nous savons tout ce qui se passe quand une sorcière devient rancunière. Mais vous en faites pas, je suis venue pour vous aider. Parlez-moi de votre situation et nous verrons si nous pouvons l'arranger. Merci. J'ai déjà rencontré Aedana, la supérieure de votre clan. Aedana m'a indiqué que vous aviez prédit la destruction de votre loge. Elle a précisé qu'elle ne vous avait pas puni pour cette prédiction. Elle vous a puni pour ce que vous en avez fait. Selon elle, vous avez semé le chaos dans la loge. Vous auriez donné de mauvais conseils aux sorcières, les incitant à se préparer à la fin des temps. Et ces actions auraient presque mené à sa ruine, la loge. C'est pour cette raison qu'elle aurait décidé de vous exiler et de vous priver de votre tarot, afin que vous méditiez sur les conséquences et le sens de vos pouvoirs. Ça, c'est la version officielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez. Diriez-vous que vous avez mal agi? Non, une prédiction aussi lourde de conséquences devait être communiquée à l'ensemble de la loge. Oui, j'aurais d'abord dû en parler à Edena. Oui, on aurait peut-être pu en parler à Edena d'abord. Hein. C'est vrai. On aurait pu en parler d'abord à la chef de la loge, en fait, en vrai, pour voir. Et après, si elle était en mode non, non, il faut rien dire aux gens et tout. Bon, après, on allait voir si on désobéissait ou pas, quoi. Mais. Vous reconnaissez que la sagesse de votre supérieur prévaut, voilà qui simplifie les choses. Question suivante. Diriez-vous que votre châtiment est juste? Mensonge, oui, j'ai pleinement confiance dans le jugement. Non, absolument pas, il est démesuré. Ben non, quand même. Ben non. C'est pas parce qu'on aurait dû aller la voir qu'on trouve ça ok. Il est démesuré. Je comprends, je ne vois pas qui pourrait accepter une telle sentence. Comment supportez-vous les siècles d'isolement que vous impose votre sentence? Bon, au début c'était dur, hein, mais à présent ça va mieux, ouais, on se fait à tout, hein. Voilà. Eh bien, quelle force de caractère! Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer votre situation. Donc, j'imagine que je peux repartir d'ici rassuré. Vous n'allez pas commettre une action dangereuse, n'est-ce pas? Non, en effet. On pourrait peut-être lui dire qu'on a invoqué un démon, non? Je comprends toujours pas pourquoi Edena vous a privé de votre jeu de tarot.
C'est vrai, ça. Si vous êtes exilé, qu'est-ce que cela peut lui faire que vous ayez accès à la magie? C'est parce que je suis censée réfléchir à mes pouvoirs pendant mon exil. Oh, c'est vraiment dommage, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé que vous me lisiez mon avenir. Enfin bref, avant que je reparte, il est de mon devoir en tant que médiatrice de vous poser cette question. Avez-vous quoi que ce soit à avouer? Eh bien, je fabrique un nouveau jeu de cartes pour la divination. Oh, ça alors! C'est audacieux. Mais je ne crois pas que ce soit illégal. Aidana vous a pris votre tarot, mais elle n'a pas le droit de vous empêcher de créer un nouveau jeu. Enfin, pas pour le moment. Je suis persuadée qu'elle sera pas ravie de l'apprendre. Mais rien ne vous oblige de le dire à Aidana, pas vrai? J'ai pleinement confiance en la neutralité de l'office. Oh, bien sûr, nous ne communiquerons pas les informations recueillies pendant notre enquête, à moins que vous n'enfreigniez le pacte magique ou qu'un procès vienne à se tenir. Pour ce que ça vaut, ce n'est pas un jeu de tarot que je fabrique. Ah oui, pour ce que ça vaut, c'est pas un jeu de tarot que je fabrique, c'est quelque chose de nouveau. Oh, c'est vrai? Bah si, ça reste un jeu de tarot, bah faut arrêter. Enfin, c'est un oracle, quoi, mais comme il y en a des centaines, quoi. Oh, je peux le voir? Vous voulez que je vous tire les cartes? Oh, très bien, en tant que médiatrice, il est de mon devoir de m'assurer que vos nouveaux projets sont conformes au pacte magique. C'est pourquoi j'adorerais que vous me tiriez les cartes, oui! Bon, bah avec grand plaisir. Let's go, on lui tire les cartes. Oui, au moins on a pris le temps de le fabriquer, ouais. J'aimerais connaître mon avenir en tant que médiatrice. Eh bien, je vais tirer deux cartes pour vous. La première permet de sonder les occasions à venir et les bons présages. La seconde permet de vous mettre en garde contre des difficultés et des obstacles potentiels. Oula, c'est un peu anxiogène. Vous préférez ne pas savoir? Si, je vous en prie, continuez. Bon, bah, alors allons-y. Alors, la Nérine céleste. Ah, je peux choisir le bien, le mal. On lui met là le bien. Vous allez faire une arrestation très importante. Il s'agira d'une personne de mal âge. Ça va être nous, donc bon. Vous allez obtenir une promotion. Je vois que vous et moi, nous serons alliés. Allez, vas-y. Dans votre avenir, je vois que vous et moi, nous serons alliés. Oh, vraiment? C'est ce que disent les cartes. Vu que cela fait partie de la divination des bonnes choses, je suis sûre que notre alliance sera très fructueuse. En tout cas, elle sera pour vous, vu que c'est votre avenir que nous lisons. Oh, je ferai en sorte que cela soit fructueux pour nous deux. Je ne trahirai jamais quelqu'un qui m'a aidé. Enfin, si vous n'enfreignez pas la loi, bien sûr. Mais on a déjà enfreint la loi! Comment ça, il est nul, mon jeu de tarot, let's Ah, lien avec la mort. Super. Eh ben, super. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ou je vois la guerre, vous allez être envoyé au combat. Ou vous allez être blessé, ce sera une blessure grave et permanente. Ou oh là là, vous allez tuer une sorcière. Oh putain. L'avenir de la mort. Ah oui, il est nul, je vous la bisous. J'ai envie de lui dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous en faites pas, tout ira bien. Hein. Ah, c'est tout? Ouais, c'est comme ça, certaines personnes sont nées sous une bonne étoile. Je ne dirais pas que j'ai une bonne étoile, sinon je n'aurais pas fini médiatrice. Bah, pourquoi vous dites ça? Vous n'êtes pas heureuse? Eh bien, j'aime beaucoup mon métier, mais ce n'est pas de mon plein gré que je suis devenue médiatrice. Il y a tant de choses de ma vie de sorcière qui me manquent, comme faire des rencontres et tout ce qui va avec, vous voyez? Ah, je suis désolée. Bah, t'en fais des rencontres là en étant médiatrice, non? Mais bon, c'est rien, je l'ai bien mérité. Je peux vous demander pourquoi? Eh bien, en fait, non, vous ne pouvez pas. Le passé des médiatrices est confidentiel. Ah, je vois. En tout cas, je suis heureuse de savoir que rien de grave n'est censé se produire dans le futur proche. Merci. J'ai l'impression de lui avoir mytho alors que c'était dans les choix, quoi. Elle est le week-end. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau jeu de cartes? What? C'était génial! Et inquiétant aussi. Mais surtout génial. Merci. Votre don pourrait nous être très utile à l'office. C'est vraiment un crime de vous retenir prisonnière ici. Bah, je devrais pas prendre position sur des... Ah non, Ali. Non, pardon, c'est l'autre. Je devrais pas prendre position sur des sujets pareils. En tout cas, pas avec autant de passion. Ce que je peux dire objectivement, c'est que vous gâchez votre talent sur ce pauvre caillou. En tant que médiatrice, je ne peux certes pas annuler la sentence d'Aidana. Cependant, je vais lever l'interdiction de visite. Waouh, vous pouvez vraiment faire ça? Je viens d'en faire la demande au bureau principal. La demande sera accordée dès que mon carnet de médiatrice sera mis à jour et visé par un tampon lunaire. Les formulaires de médiation seront mis à jour dans le grand grimoire dès que mon stylo touchera le papier. Tout ce que j'ai rédigé jusqu'ici est déjà consigné dans les archives de l'office. Waouh, vous êtes sacrément efficaces, les filles.
Il y a des loges dans tout l'univers. On ne peut pas se permettre de faire des allers-retours avec les temples lunaires chaque fois. Oui, je comprends. Et voilà, c'est officiel. Vous pouvez désormais recevoir des invités dans votre jolie petite maison. Ah, bah, je suis heureuse. Vous n'avez pas idée à quel point. Hi-hi-hi, vous le méritez, voyons. Je suis contente si j'ai pu réduire vos difficultés. Merci infiniment. Oh, je ne fais que mon travail, vous savez. Souhaitez-vous que je prévienne votre loge? Seulement Jasmine et Dahlia pour le moment. Je ne suis pas prête à me jeter dans le grand bain. Ça fait 200 ans, vous savez. Oh, je comprends. J'enverrai un faucon à l'une et à l'autre. Encore merci. Bien, je crois que je vais y aller. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Et merci pour la divination. À bientôt. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a un problème. Au revoir. S'en va sur son balai. Et il va falloir. Il est 14h09, il va falloir que je coupe malheureusement mais chapitre 2, devenir une sorcière. Dès qu'on pourra. Patrice. Et là, j'ai eu un orgasme qui a bien duré 5 minutes. Fortuna, arrête, tu te fous de moi? Comment t'aurais pu savoir que ça faisait 5 minutes, t'as chronométré? Ah, je te jure que c'est vrai, je sais pas comment il a fait ça. Je l'ai écarté. C'est quoi ce dialogue? Quand j'ai commencé à jouer. Il s'est roulé une clope et il l'a fumée tout en me regardant en train de convulser. Quand il l'a éteinte, j'étais en train de me débattre avec les derniers spasmes sur le tapis. Oh, je suis super jalouse! Moi aussi, je veux un méga orgasme! Comment il a fait ça? Eh bien, il avait mis un jouet spécial. Ça, je dois dire que ça a bien aidé, mais je crois que c'était un ensemble de plusieurs facteurs. Le parfum de l'encens, les cocktails qu'il avait préparés, la musique, l'odeur de la mer. Je sais pas comment te dire, les planètes étaient alignées. Waouh, trop bien! J'adore quand tu me racontes tes frasques sexuelles, tu devrais écrire un bouquin. Je préfère que ça reste entre nous. Je voudrais pas que la Terre entière découvre que je suis une déesse du sexe. T'imagines après au boulot avec tous ces quadras libidineux? Ouais, t'as raison. Tu ferais mieux d'y aller mollo sur tes aventures de déesse du cul, sinon tu vas avoir des problèmes. Je veux dire, encore plus de problèmes. Oh, ça va, je me suis fait deux, trois frayeurs, rien de plus. À quoi bon vivre si on peut pas vivre à fond? Faut que tu te dégodes quelqu'un d'aussi chaud que moi, et là tu vas comprendre pourquoi le sexe c'est génial, sœurette. Bleh. Pour être honnête, je voudrais bien voir par moi-même ce que c'est faire une déesse. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Et Alicia alors? Eh ben en fait, on a rompu. Oh ma chérie, je suis désolée pour toi. Désolée Eva, qu'est-ce qui s'est passé? Bah on est ensemble depuis le lycée et je crois que la vie nous a séparés. Mais vous aviez l'air tellement bien la dernière fois qu'on a dîné chez vous. Ouais, donner le change devant les autres, ça, on était super fortes. Mais la vérité, c'est que cette année, on n'a pas arrêté de se disputer. À quel sujet? Oh, des trucs débiles. J'ai ma petite idée sur les choses qui énervent Alicia. J'ai essayé de lui en parler directement, mais elle voulait rien savoir parce que le reconnaître, ça ferait d'elle une personne exécrable. C'était à cause du militantisme, c'est ça? La vache, comment t'as su? Bah, je sais pas, j'ai dit ça parce que moi aussi, ça m'énerve un peu, en fait, pour tout te dire. Patrice! Ah, bah, peut-être que ça m'arrive parfois d'être un peu trop passionnée. Non, 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 c'est pas ça. Être dans l'entourage de quelqu'un de profondément gentil, ça peut parfois être compliqué. Regarde, t'es végane, tu consommes que du local, tu t'habilles avec des fringues recyclées, t'es bénévole dans une asso. Mais je me sacrifie pas quand je fais ça, c'est juste une question d'habitude, rien de plus. Arrête ton char. Oui, bon, je comprends, mais j'ai jamais demandé à Alicia de faire toutes ces choses. Encore une fois, c'est pas de ta faute, mais je me vois mal manger McDo avec mes bottes de vrai cuir juste à côté de toi, quoi. T'exagères. Je suis sûre que leur relation était plus complexe que ça. Même pas. Patrice a tout juste. C'était plus possible pour elle de vivre avec un modèle de vertu. Regardez, la mer! Ah, ça sent tellement bon. On y est, les filles! Allons offrir nos âmes à l'océan pour nous le laver de toutes les merdes qu'on attrape en ville. J'ai trop hâte de voir la pluie d'étoiles filantes. Moi, mon vœu sera qu'on lâche tout et qu'on vienne s'installer ici toutes les trois. Je vous adore. Oh là là, toujours aussi gnangnan celle-là. Ah, mais nous aussi on t'adore. Putain, j'ai un peu. Hey, je suis censée retourner bosser, arrêtez avec les dialogues là. Genre, arrête de demander aux gens s'ils sont vierges. Tu parles jamais de tes rencontres et je t'ai jamais croisé avec un copain ou une copine. Non, j'ai déjà fait l'amour, mais j'ai jamais eu de relation suivie. Arrête de te la jouer cool.
Ma sœur accouche une fois au lycée et ça s'arrête là. Il n'y a aucun problème, tu sais, c'était juste de la curiosité. Je sais pas. J'aime ça le sexe, enfin je crois, mais j'ai rarement rencontré qui que ce soit qui m'intéresse vraiment. T'en fais pas, tu trouveras tôt ou tard. Et si elle trouve personne, c'est bien aussi. Avoir quelqu'un, c'est surcoté. Hein, peut-être, ouais. Lâchez-moi les baskets toutes les deux, et on y est presque, je sors. À la prochaine! Je m'occupe de préparer le dîner. Ça vous dit des pizzas? Oui! Je suis chaude de la pizza. Vas-y, Sorette. Alors, c'est parti. Il faut que je fasse de la pizza là. Je peux pas sauvegarder. Mais attends, mais il y en a une qui est végane en plus, non? On vient d'apprendre qu'il y en avait une qui était végane. Du coup, il faut que je fasse un côté. Je fais un côté comme ça et un côté. Enfin, je mets quand même un peu d'herbe là. Je sais pas ce que c'est. On va faire ça. Voilà. Et on va faire un côté vegan. Voilà. Ah si, c'est bon, c'est illimité. Du coup, je peux en mettre plein. Ça, c'est des tomates ou c'est du chorizo? Bon, franchement, dans le doute. On va faire un côté. Un côté vegan. C'est des rondelles d'olive. Ça va. Hop. On va lui faire voilà. Et je laisse une séparation au milieu pour qu'elle soit tranquille. Voilà. Hop. Ah, j'ai oublié de mettre de l'ail. C'est bien de l'ail aussi. Je peux pas en prendre? Ah non, c'est des champignons. C'est pas de l'ail. Tant pis. On est bien là. Je rajoute un peu de chorizo pour les meufs qui en veulent là-bas. Un peu plus de champignons ici. Voilà. Hop, ça a un peu de goût. Je rajoute de l'herbe aussi là. On est bien là. Voilà. Y a un truc de magique dans cette pâte. Ça a du bon d'avoir une sœur qui possède un food truck. Ouais, merci pour la balade Fortuna et merci pour la pizza. Même si je prendrais qu'une seule part. Oh non, le pepperoni! Mais c'est bon, je lui ai fait une moitié de pizza sans pepperoni! Ouais, c'est trop pour moi. Pourquoi tu le retires pas? Il a déjà tout imbibé la pizza. Mais non, j'ai fait toute une moitié sans pepperoni! J'ai fait toute une moitié sans fromage et sans pepperoni pour toi, meuf! Oh non! Pour ma part, j'ai la dalle, elle adore le pepperoni. Mais oui, mais bon. Mais j'avais fait exprès. Ça, c'est dommage, ils ont pas pensé au fait qu'on pouvait faire une moitié. Ah là, elle aurait préféré sans roquette, perso, Berk. Oh. Bon. Je vais pouvoir sauvegarder, moi. On n'est pas censé dire les vœux qu'on fait aux étoiles filantes. Désolée, mais j'ai pas le time là, il faut que je coupe. Je suis désolée. Mon plus grand vœu, ce serait de devenir une meilleure personne. Ok. Alors, elles sont sœurs, on sait, voilà. Je veux sauver le monde. Non, je suis sérieuse, ça me stresse vraiment. En vrai, c'est très sympa, c'est juste qu'effectivement, ça perd d'être le bon jeu pour pouvoir couper là. Juste, avant ça allait, je pouvais couper n'importe quand. Je veux connaître le destin du monde. Ça, c'est courageux. Le destin du monde. Bon, bah, je vous dis, tiens, le destin du monde et après on y va. Oula, mais c'est un tarot classique, ça. Ok. Bon, j'ai pas envie de mettre le diable sur le destin du monde, donc on va le mettre là. Des méthodes illégales et violentes. Former un groupe de propagande de guérilla connu dans le monde entier.
Tu ferais bien de tout laisser tomber et de t'éclater. Bon, allez, on va dire des méthodes illégales et violentes. Oh non, si tu veux avoir un impact sur le destin du monde, tu n'auras pas le choix. Sinon, tu devras te contenter de faire des changements ridicules sur ton alimentation et ton style de vie. C'est pas toi qui me fais la morale? Non, sans les cartes, je te jure! Mais au fait, ton héritage, ce sera un mouvement révolutionnaire qui durera des siècles. Mais c'est affreux si jamais je... Mouvement, je jure que je l'appellerai Désolé tout le monde, ou un truc du genre, au cas où les choses partiraient en cacahuète. Alors, destin du monde. L'ermite. Changement climatique rendra la vie insupportable pour les humains. Nous nous réfugierons dans des villes d'hommes gigantesques. Une super bactérie va décimer l'humanité, ce qui nous ramènera à l'âge de pierre, où la surpopulation contraindra l'essentiel de l'humanité à vivre dans des ordinateurs. C'est horrible dans tous les cas. Ouais, vas-y, ville d'hommes. Tu te fous de moi? J'ai bien peur que non. La température de la planète va continuer de monter de manière incontrôlable. Et à la fin du siècle, la plupart des capitales disposeront d'un dôme gigantesque pour se protéger. Arrête, s'il te plaît, arrête. Tu me fais marcher. Je te jure que c'est ce que les cartes me disent. D'habitude, t'es plus vague, genre, tu vas obtenir des occasions de développer ton potentiel, ou tu vas bientôt te trouver face à un dilemme. Là, c'est comme si t'avais des visions venues de dimensions parallèles. Oui, moi aussi, ça me surprend. Peut-être que c'est l'énergie des étoiles filantes, ou alors des planètes inconnues qui se sont alignées pile sur mon tarot. Mais tout ça, je le vois aussi clairement que je vois ton visage. C'est ça, le destin du monde. Comment je suis censée mener une révolution pour empêcher l'humanité d'aller dans des dômes? Ah, ça, tu pourras pas l'empêcher, mais si ça peut te soulager, peut-être que tu pourras ralentir suffisamment la catastrophe. Et donc les générations futures pourront terminer le dôme à temps? Tu parles d'un soulagement. Je pensais pas que les cartes seraient aussi brutales et explicites. Je suis désolée, vraiment. Ouais, c'est rien de grave. C'était flippant, mais marrant aussi. Et si tes prédictions sont exactes, mes petits-enfants me prendront pour une vieille timbrée quand je leur dirai « Mais si, c'est mon ami qui m'a prédit tout ça avec son tarot !» T'as conscience que tu viens de foutre de la merde dans la tête d'Eva? Non, je voulais pas. Ah, mais non, c'est rien, c'était pas si horrible. Prophétie ou non, quand l'avenir est aussi éloigné de nous, ça sonne comme de la fiction. Et toi alors, maintenant que tu sais comment va finir le monde, qu'est-ce que tu comptes faire? Je préfère cramer avec la nature que m'enfermer pour toujours avec un toit au-dessus de la tête. Les dômes, je les emmerde. Fortuna m'a prédit que j'aurai un cancer des os à 50 ans. Alors tout ça, il y a peu de chances que je le voie. Mais c'est horrible, pourquoi t'as dit un truc pareil à ta sœur, Fortuna? On était gamines, j'ai mis au fil de lire mon avenir en allant le plus loin possible. Après ça, j'ai arrêté de lire l'avenir en allant jusqu'au bout. Il y avait comme une présence terrifiante qui restait dans l'ombre par-delà ma vision. J'ai l'impression que si je continue à lire l'avenir d'au-delà de la mort, alors je... Brrr, ça y est, c'est flippant. Jamais j'oublierai cette impression. Et à partir de ce moment, mes dons de cartomancien ont été démultipliés, si on peut dire. Je me suis plus jamais trompée depuis. C'est la vérité, je confirme. Non, dis pas ça, j'ai pas envie que le monde parte en cacahuète. Peut-être qu'on peut combattre cette magie par de la magie. Regardez, la pluie d'étoiles filantes a commencé. Demandons aux étoiles d'empêcher cet avenir terrifiant. Et vu qu'il n'y a que nous trois sur cette plage, pourquoi on formulerait pas nos vœux à voix haute? Je t'ai déjà dit ce que j'allais faire comme vœu, alors ça me va. Bon, très bien. Je commence. Chères étoiles, faites que le monde ne connaisse pas le destin que Fortuna a prédit. Donnez-nous une chance de tout arranger. À t'écouter, on a l'impression que ma sœur est un méchant de film. Ha ha! Oh non, dis pas ça! Hé, les étoiles! Faites que ma sœur soit heureuse. Aidez-la à trouver ce qu'elle cherche depuis toujours. Mais je croyais que ton vœu c'était devenir une meilleure personne. Non, ça me ressemble pas ça. Je préfère utiliser mon vœu pour aider ma petite sœur. Ah ça veut dire que t'es déjà une bonne personne. Hé. Oh la ferme, j'essaie d'avoir l'air cool là. Allez Fortuna, à ton tour, laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Non, c'est pas grave. Allez, dis-nous. À quoi penses-tu? Quelle est la chose la plus folle que tu souhaites? Une chose que seules les étoiles pourraient t'accorder. Ouais, j'ai envie que tu sois heureuse. Je sais qu'il y a autre chose. Je le sens dans l'air iodé de la mer. Je vois dans les flammes qui dansent. Quand je regarde mes cartes, je sais bien que la magie existe. Et pourtant, tout le monde me dit que je suis puérile. Je veux pas être une femme. Je veux être une. Chapitre 3, sororité. Une sorcière? C'est ça qu'elle voulait dire? Alors, c'était pas si terrible que ça, pas vrai? Oui, mais alors, il faut que je puisse sauvegarder, Coco! Comment je sauvegarde? Comment je sauvegarde? Partie sauvegardée, il y a 0 minutes. Parfait, je peux quitter. Ok! Alors.
Je regarde juste rapidement s'il n'y a pas Lulu par exemple qui est en ligne. Hop. Non, bah on va couper juste là parce que j'ai pas le temps de faire un raid vu que je suis censée avoir repris déjà le boulot. Donc je vais devoir finir plus tard. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là pour cette découverte de The Cosmic Wheel Sisterhood. On continuera certainement. C'est très mystique, c'est très original comme jeu pour le moment. Ça m'a un peu surprise. Je m'attendais pas au côté très cru de certains trucs. En live, c'est toujours un peu bizarre parce qu'on est sur la chaîne de la paix et pas sur ma chaîne, donc c'est ça qui me dérange un peu. Mais en tout cas, c'était une bonne découverte. Voilà, il est en promo, je crois, sur Steam toujours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, let's be. Portez-vous bien. Ce soir, non, finalement, je devais être en jeu de rôle chez Ezor et finalement, c'est reporté. Donc il y aura peut-être du stream, peut-être pas. Dans tous les cas, vous avez le programme effectivement de la paix hein, qui est assez chargé cette semaine entre cours de cuisine magique, watch party, tournoi Power Watch dimanche, etc. N'hésitez pas à regarder le programme sur le Discord. Je vous fais des gros bisous. Ah mince, pardon, désolé pour la musique. Des bisous et passez une bonne journée.